Dans un moment côté, on a levé contre l'autre, on a demandé est-ce que nous sommes capables d'avancer. En pile fois, on dit pour la communauté haïtienne, boy, si le pays d'Haïti capable d'avancer, nous avons besoin de bon genre de développement social et économique. C'est vrai, mais développement social et économique, pas qu'à réaliser sans tête ensemble. Nous tête ensemble qui chita sous patriotisme, sentiment d'amour qui fait nous mettre de côté tout intérêt personnel nous pour intérêt communauté et pays d'Haïti. En nous marcher main en main. So good. Un message HAU, Haitian American United. Spectateurs, j'en ai dit, nous avons pour nous recevoir là Oswald Neptune, qui est dans la communauté depuis 25 ou bien 30 ans, que nous avons passé dans les oreilles, remonté depuis l'époque période radio, tandem Kiskeya, époque radio, était sonné. Faut pas voir ici, dans un contexte politique difficile, dans un contexte émergence ou bien traitement, question virus VIH avec SIDA. Oswald, bienvenue sur Télécréole, je suis la Kaouye. Merci Charlot et pour l'invitation et n'a profité saluer tout auditeur Télécréole, c'est un véritable plaisir. Et c'est première fois que j'ai l'impression, c'est malheureux que je vois là le programme, moi m'a confessé ça, c'est malheureux. Mais en même temps, il y a deux contextes qui par coïncidence existent qu'on y a là. D'une part, moi au courant que le 13 décembre cabine là a un méga hommage ou bien reconnaissance qui parle de Oswald Neptune dans Lombardose, dans encore une fois dimanche capitre 13 décembre. Correct. Son bas ou pense au théâtre en à lui-même ou bien juste tomber sous l'estomac? Et pas du tout, au contraire, il était toujours dans tête moi que faut nous honorer mon leader, mon qui vient avant nous, qui fait des bagages extraordinaires, même pas déjà penser que je t'apprends. Et ouais, pour qui ça? Parce que l'aime comparer ça me fait à ça l'autre monde fait. Je crois que je vais faire même un dixième de ça. En pile, monde qui est dans la communauté, qui l'a longtemps, et qui même vient après réaliser. Et, mais bon, je connais, pour une raison ou l'autre, c'est moi-même, choix à porter sur moi-même. Donc, moi, je recevoir avec en pile joie et je souhaite que les bagages continuent et puis gagne l'autre monde qui va honorer par la suite. Ma fête psychologie, moi, quand les coudes au camp, on peut faire un bac ou un temps pour garder tête. Tout donc, il y a des gens qui a pi bien ouais, soit faire passer ça ou même ou car ouais. Bon, moi, c'est salé parce que j'ai toujours dit que mon paquet l'autre bagarre pour me faire. Et beaucoup réalisé yo, mais il y a des gens qui pensaient que me fait bagarre qui est assez significatif pour et considérer. Et vous allez prévoir ça au fait, parce que depuis longtemps, vous avez été invité, et puis coïncidemment, c'est juste ça que l'invitation est arrivée, matérialisée. Qui ça, je vous dis, 1er décembre, signifie pour vous? Parce que je connais les gens qui suivent, vous connaissez côté travail à certains moments, dans la FI, ou en pile programme de prévention et d'éducation côté qu'on fait dans la question VIH, SIDA. Qui ça, le fait que nous avons commémoré aujourd'hui la Journée mondiale SIDA avec 35 millions de monde qui mourent déjà depuis les années 80 dans le monde, ou bien peut-être sommes 37 à 38 millions de monde aujourd'hui qui gagnent VIH. Qui ça représente pour vous? Mon cher, ça représente un gros bagage, d'autant plus de collaboration de différentes organisations. Dans le moment, ça, le 1er décembre, qu'on est vraiment porté et bagage SIDA au niveau communautaire pour faire tout le monde songer que SIDA est un gros danger. Et SIDA lui causait un peu la mort, SIDA lui mettait deuil dans la famille, etc. Et malheureusement, et c'est comme si au niveau communauté, ils pensaient que SIDA n'a pas existé ou pas ouais, que aucune activité tellement qui fait pour dire aux gens attention, SIDA a toujours existé. Mais puisque nous avons un forum dans là, nous voulons dire que nous toujours dû prendre précaution, faire prévention SIDA, lui-même toujours existé dans la communauté. Et là, pas attendre le plus, c'est le plus dangereux parce qu'il a causé plus de problèmes. Parce que nous ne pas parler de lui, en plus, nous doit penser qu'il n'a pas existé. Et cependant, maintenant qu'on a parlé de SIDA, je dis, je prends une nouvelle, je souhaite que la nouvelle soit en réalité, Cuba découvrir un vaccin pour cancer. Impressionnant. Naturellement, Cuba était son premier gros pas déjà, parce que on dit Cuba, c'est le premier pays, ou bien année ça, ou bien année passée, qui était arrivé bloquer transmission de virus VIH-là, de maman
à petite. Okay. Parce que longtemps, automatiquement, au moment enceinte ou petite, petite là, virus sans le passé. Mais Cuba, c'est le seul pays qui, pour l'instant, arrivé scientifiquement, l'éprouvé, l'accepté par la communauté scientifique, bloqué transmission materno-infantile. Ils sont bas à Kounia, ils ont besoin de propager au niveau de l'autre pays. Yo. Donc, moi, je veux tous les téléspectateurs connaissent que je dis ça sous toute réserve. Mais sous toute réserve, parce que je me contente d'information ça déjà. Yeah. Et cancer, okay. Et yeah. Ça, il prend pour mon traiter okay. Cancer. Je ne peux pas créer faux espoir. Mais yeah. De monde qui publie le sonnet là, c'est comment on t'a dit, un chercheur, un maire qui dans l'Église catholique qui publie. Je suis sûr qu'il y a des informations qui sont correctes. Donc, je m'apprête avec tes réserves, oui. Toujours, parce que en tant d'informations en mainstream, dans une série de journaux scientifiques, yeah. Bon, c'est le malheur Brésil comme ça, européen, yeah, yeah. Qui vient confirmer lui, avant nous avons une série de sports. Donc, nous allons faire parler de vous-même, et me songer période radio, qui ce qu'il y a, si je menti, c'est vous-même qui était pour me mettre Charles Lucien sur radio. Commencement des 90 yo. Qui sa expérience dans la presse apprend nous, et qui niveau est la presse Boston, il y a aujourd'hui. Qui changement, qui évolution? Et pour moi, c'est tant qu'on cauchemar ma vivre là, pour qui ça? Parce que dans le niveau presse, là, dans l'état de venir actuellement, mais là, on a parlé de années 90, 91, tandem Kiskeya, par la suite, Radio Métropole, nous venons gagner Radio Concorde, mm-hmm. etc. C'était le bon moment. C'est le moment côté, you moun kachita la kao, définitivement, couteau, une émission du commencement à la fin, et puis, relaisant moun fait couteau. C'était le moment tout, nous te pensé que, ou te gen doit lever un programme radio ici, ou à le mettre en Haïti, sans problème, il t'a fait impact. C'était un moment où peut-être nous pas exploiter ça pour nous bim des émissions de qualité sur Haïti, pour ce n'est pas nous même seulement aujourd'hui, qui prend tout ça sur Haïti en éclaté dans l'air, et puis des fois qui pas même approprié, et puis qui font un travail de, comment on a dit ça, et bourrage de cerveau, et barayo, yo soti, et yo pas filtré, yo rien, en grosso modo, et puis yo lagué yo sous nous, et nous obligé à accepter le comme ça. Est-ce que vous pensez que le grand mouvement qui était fait pour la mi-année 90, pour arriver dans la fin de l'année 90, côté qu'on y a là, on a accès à des radios 24 heures sur 24, est-ce que ça n'a pas affecté la qualité, la programmation? Bon, c'est ça même. Et bon, il faut que nous connaissions. Ouais. Radio est tellement important, c'est lui qui a joué un rôle dans le développement de la communauté. Il a besoin de mobiliser les gens autour de bagages. Il a un business pour aller ouvert pour les gens pour le marché. C'est radio. Il a besoin d'informations de qualité. Ok, c'est radio. Ok. Mais pour nous arriver dans la phase côté, le coût radio a été tellement élevé que la communauté n'a pas de cas supporter. Eh bien, nous sommes obligés à explorer les possibilités pour rentrer dans Low Power. Mm-hmm. Low Power, si c'était une grande radio, Low Power que tu as gagné, FCC accepté, il n'y a pas de problème. Tout le monde qui a une compétence, jeune Nadal, il t'a OK, mais c'est là chaque monde prend une petite boîte et puis il fait une petite radio. C'est là le problème qu'on vient poser. Radio a fait, elle travaille 24 heures, mais il n'y a pas gagné ressources qui pour supporter 24 heures en termes d'émission. Obligé ça à le faire là, rentrer dans internet là, la gueule, comme ça. Et ça, le problème, non. Et lui affecte la communauté dans le non-sens. Tout petit radio ça, il y a tout et budget. Il est obligé à payer loyer, il est obligé à payer téléphone, il a payé toute qualité bagaille et communauté n'a pas de moyens ça. Pour et business, il y a même qui ont bon mon avis demandé, automatiquement rabaissé, ça aura payé un baba même encore. Il n'y a pas de moyens. Parce que moyen le business baisse en pile dans la communauté, il faut nous dire ça. Et Oswald, il y a un baba qui est là que mon associé, qui n'est pas associé à la radio encore, il est associé à Sainte-Belleville, il est associé à un série de travail qu'il a fait au niveau santé ou bien bien-être social. Grandette ou bien grand-pète dans la communauté. Et récemment, un changement qui fait ou pas, ou quitter mouvement direction service direct dans Sainte-Belleville ou dans niveau corporate, ne cap marcher avec Vespounien là. Est-ce que ça, les gens ont une crainte si il y a un impact négatif sur peut-être accès grand monde ou bien sur service ou des grandes gagnes?
pas vraiment, d'autant plus que changement, tout le monde qui remplace mieux, c'est le monde qui a travaillé ensemble avec, par exemple, assistant directeur, a monté directeur, et Junior Mengual qui était responsable d'activité, il vient assistant directeur, donc c'est même le monde, c'est pas un changement qui fait côté Alpran monde, l'autre côté vient mettre, qui n'a pas une notion, qui n'a pas un sens de réalité haïtienne, culture haïtienne. Donc, je pense que le travail là continue. D'autant plus que le rôle moins qu'on a au niveau corporation, c'est pour moins faire marketing, business development pour 300 haïtiens qui ont desservi grande dette. Et c'est Centre Bellevue, CAIPAM, avec dans Brockton, qui ont un programme haïtien qui est dans le programme Cap Verdien, bon, qui gagne à peu près 60-80 clients qui sont là-dedans. Actuellement, c'est une facilité, un building, okay, un local pour centre haïtien même, tellement pour gagner un succès. Qui adresse à Brockton? Adresse à Brockton, c'est ou dans Main Street, Main Street là, dans Brockton. Je joue un vrai numéro pour vous, c'est 764, si je ne me trompe pas, mais c'est dans Main Street là. Okay? Bon, je vais vous résumer encore pour vous. Est-ce que vous avez une liste? C'est dans tête ou là, service que grand dette joigne, que l'on pas CAIPAM, que l'on est San Bellevue ou bien San Brockton. Bon, presque tout service, c'est même. C'est-à-dire que nous gagnons une infirmière qui est sous place pour responsable partie médicale là, correctement. C'est ça. Et nous gagnons des CNA qui là pour assister eux parce que y a un critère pour nous rentrer dans le centre-là, à part de Marcel Standard pour gagner, mais il faut que vous gagnez des, ça y aurait les EDL need, pour besoin d'assister. En termes pour monde qui a aidé ou sous besoin de déplacer, sous besoin de toilette, sous besoin sous gain difficulté marcher, etc. Nous gagnons et transportation que nous bail aller-retour et puis nous faisons pile en pile activité qui culturellement approprié et fait mon revivre et ça a été qu'on jouit longtemps, ça a été marqué. Est-ce que ça n'est pas si vous avez deux grands monde qui étaient mariés en dedans qui l'a c'est ça a deux ans de cela. c'est mon qui a 80 ans comme ça. Et puis vous mariez en dedans. Vous mariez en dedans. Mais vous avez vécu ensemble. Et madame, nan, monsieur et madame, vous avez fait 19 petites. Que tu as vécu, tu pas jamais marié en place, c'est pas dans arrivé en dedans, eh bien, il a décidé. Marié tout bon, marié tout bon, nous fait cérémonie, etc. Son pasteur qui était Eiffel, il y a un papier légal ici, petit, tu as vraiment apprécié ça. Vous avez souhaité avoir une chance de partager genre de anecdote extraordinaire ça, avec le public. Là. On reprend encore dans la date KP 13 décembre. Dans Lombardos, et on plusieurs organisations qui prennent payer hommage à eux-mêmes. Vous avez des informations qui j'aimerais ou bien qu'à contacter eux? Oui, ou capable les bon, ou bien le yo pa vle yorele m. Bon, m vle non, pa suppose pa tande yorele. On connaît que yo pa tande que yorele. Yo pa vle rele m. Mais on ba yon numéro pour pas créer confusion. Yo capable rele Julio Mindi dans 617 et 470 19 12. OK, c'est une personne qui est responsable. Mais n'a pas profiter du monde comme ça dimanche qu'a venir là tout. N'a célébrer 7e anniversaire Centre Bellevue dans local Centre Bellevue à partir de midi tapant. Donc qui est ce monde qui t'a imaginer que Centre Bellevue est en gain 7 ans. Extraordinaire. Donc dimanche qu'a venir là encore une fois qui date dimanche cap 6 décembre. 6 décembre okay. De midi à quelle heure? À 3h. Donc, moun yon yon débarqué. Ou moun met débarqué. Yon a toute qualité bagarre, pile performance, etc. Est-ce que moun yon a dansé, yon a chanté? Oui, yon pas jamais yon côté pour yon pas performer, pour yon pas danser, pour yon pas faire ça. Okay? Donc, deux activités, deux événements qui sont associés à Oswald. Dimanche 6 décembre, à cabine là, 3h pour, pardon, midi pour 3h, en Centre Bellevue. Ensuite, pour moun yon contacter Juno Midi, pour yon participer, pour yon célébrer avec communauté, avec Oswald, dans date 13 décembre dans Lombardos. Téléphone dans cause 617. 470, 19, 12. Faites la pape gen sans si communauté ça m'a desservi à pour nous rime pas là pour célébrer ensemble avec. Ok. De quoi plaider vous-même? Définitivement. Les téléspectateurs, c'était avec nous Oswald Neptune. Là, c'était un petit mot interview. Nous avons un séjour avec Oswald avec peut-être deux, trois autres personnes qui sont anciens dans la communauté hein, pour nous parler de l'évolution de la communauté. Ça, qui est au niveau business, qui est au niveau évolution des médias, qui est maturité ou bien immaturité politique que nous avons observé de nos jours. Eh bien, on interview pareil qu'à Bano, il y a une meilleure compréhension de la communauté. Oswald, merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles. Et félicitations encore de ce que vous avez fait choix de vous-même pour honorer ça. C'était avec Charles Lucien. N'a pas rappelé mon nom encore.
encore pour quitter le calendrier le 9 janvier pour célébrer avec Etcheyo, jour de l'indépendance avec Bilo, avec Valérie Numa. Des fois, il y aura tout à l'heure Valérie Numa comme principal guest speaker. Bon, rendez-vous dans deux semaines avec Charles Lucien sous Tête à Tête en Télécréole.